Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologies antiques et atypiques. Et pour aujourd'hui, eh bien, je voulais revenir sur le disque vinyle. Vous l'avez peut-être vu au moment où j'ai fait ma vidéo sur l'électrophone de ma grand-mère, le Tepaz. Et avec cet électrophone, j'ai retrouvé des disques que j'avais dans mon enfance. Enfin, le type de disque, puisque j'en avais eu deux, malheureusement, je pense qu'ils sont perdus. J'avais joué avec en tant qu'enfant, il s'agit des flexi-disques. Donc, flexi-disc, comme le donne le nom, s'agit des disques souples. Donc j'en ai 4 ici. J'en ai pas acheté spécialement pour la vidéo, je vais en parler rapidement. Peut-être que je ferai une vidéo plus en détail ensuite. Ce genre de petit disque, en fait, il existe depuis la fin des années 50 aux USA et le début des années 60 en Europe. Je dirais même la fin des années 50 en Europe, puisque je vous avais déjà présenté le Sonorama. Et le Sonorama utilisait déjà une technique assez similaire. Pas exactement les mêmes, ça va pas être exactement la même matière, mais c'était très similaire. Voilà, on avait des disques souples qui étaient fournis complètement dans un magazine. Et en fait, ces flexi-disques, ça permettait de faire des disques à pas cher et facile à envoyer, notamment dans la boîte aux lettres et à tout le monde. Ça faisait des disques tout fins. Disques tout fins, et bien dit que, vu que souvent la dynamique des disques, ça vient par rapport... Alors là, j'ai peut-être un mauvais exemple parce que j'ai pris un 45 tours, s'il est déjà beaucoup plus épais. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais un 45 tours doit être 4-5 fois plus épais. On peut avoir des sillons beaucoup plus profonds et avoir une dynamique de son, donc des différences entre les zones les moins fortes et les plus fortes qui sont beaucoup plus importantes. Le flexi-disc, c'était donc un standard de disques qui faisait en moyenne 5 grammes et donc qui permettait d'envoyer des disques très facilement par la poste à condition d'être un minimum protégé et d'en fournir facilement dans les revues et ce genre de choses. Mais par contre, c'était des disques qui étaient fragiles vu l'épaisseur. Ici, j'ai été d'ailleurs étonné qu'il arrive à passer à peu près. Celui-là est sérieusement rayé. Maintenant, une légère, délicieuse, aérienne et multicolore valse de ballet, joyeuse comme le printemps russe. Il y a même eu des jeux, des données qui ont été enregistrées là-dessus, notamment dans les revues informatiques pour les jeunes, pour les ados. Il y a eu des programmes informatiques, donc de mettre une cassette, on avait un support qui était encore moins cher. Et ce support, c'était donc le flexi-disc. Certains groupes ont aussi sorti des versions spéciales, donc souvent pour leur fan club, notamment les Beatles, The Human League, etc. Et moi, je me souviens de ceux que je voyais beaucoup, c'est ceux des clubs où on achetait des disques. Alors, je vais essayer de vous en proposer un complet ou un extrait selon si ça passe ou pas sur la vidéo, envoyé par la poste comme une pub, et avec on avait donc des petites armes, des petites cases à cocher, et on pouvait en fait commander pour pas cher du tout des disques. Mais en fait, on avait un genre d'abonnement, on était obligé donc de commander régulièrement des disques ou des cassettes, mais par contre dans les années 80 on recevait ces disques là. Donc ces disques là, il y avait des extraits très très courts de musique, ça nous permettait de choisir dans les dernières sorties ce qu'on voulait acheter en fait. Et puis on a aussi les disques gratuit. Là, on a un sur la valse, un sur la musique classique. Alors pareil, pour la musique classique, c'est fait pour nous faire acheter des disques plus chers. Par contre, donc, ce qui est assez amusant, c'est que c'est tellement léger que ça a tendance à pas être très stable. Donc pour être plus stable, ils conseillaient de mettre une pièce de 10 francs, ou enfin en tout cas une pièce, pour augmenter la stabilité et la qualité de lecture. Donc je vous passe quelques extraits. Bonjour, Mathé Alteri au micro. C'est avec un immense plaisir que je viens vous présenter la dernière réalisation de sélection du Reader's Digest intitulée « Les plus jolies chansons françaises » interprétées par mon ami Jacques Lantier. 120 merveilleuses chansons dont la qualité des textes et la beauté des mélodies font que l'on peut aisément les qualifier d'éternelles. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moqueur seront tous en fête, les belles aurores. J'en parle bien sûr en connaissance de cause puisque je les chante depuis le début de ma carrière et que je constate aujourd'hui maintenant qu'elles sont toujours vos favorites. Vous en citer quelques-unes plutôt que d'autres est absolument impossible, elles sont toutes formidables. Alors, écoutez-en plutôt quelques extraits. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment.
La valse a changé de siècle sans prendre une ride. Elle est d'aujourd'hui comme elle était d'hier et coule toujours de source, comme l'eau vive, justement. Un joli titre de Guy Béard. Après, vous voyez que je m'attendais à pire au niveau qualité. Ça passe, c'est pas extraordinaire, mais ça passe. J'ai eu aussi la surprise, en faisant mes recherches, de voir qu'il était toujours possible d'en produire. Si ça vous intéresse, si vous êtes un groupe d'artistes ou autre, ou si vous voulez faire votre propre pub, eh bien ça vous coûtera la bagatelle de 500$. Alors, vu que la seule boîte qui semble en produire encore est aux USA, donc ça vous coûtera 500$, plus les frais d'import et de douane, bien sûr, pour 200 flexi-disques. Donc, si vous voulez faire une opération commerciale assez originale, pourquoi pas ? Voilà pour cette présentation du flexi-disc. C'est un format original qui a eu son heure de gloire dans les années 70-80, qui au final a disparu aussi vite parce que c'était un format de pub, un format bas de gamme. Mais avec la réapparition du vinyle, comme je vous ai dit, il est possible toujours d'en commander. Je vous en passe quelques extraits à la fin de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Tu n'oublies pas le petit engagement, Françoise. Oui, voici votre unique engagement. En contrepartie de cette fantastique offre de bienvenue et de tous les avantages du club, vous devez seulement acheter 3 enregistrements au prix catalogue, de 64 à 92 francs plus frais d'envoi en 2 ans. C'est vraiment peu. Alors à vous de choisir vos enregistrements de bienvenue. Oui, à vous de choisir 5 disques ou 5 cassettes parmi tous ceux de la planche de timbre que vous avez en main. Pour 69 francs les 5. 5 au choix. Parmi un choix super. Pour tous les goûts. Il y a, par exemple, dans cette offre fantastique, Michel Thor. Mon père, oh mon père, papa. La Compagnie Créole. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le... Daniel Balavoine. Mais il ne... Linda de Souza. Comme un homme, tu caches tes larmes. Comme un homme, tu fais des drames. Quand je rentre tard le soir à la maison. La Roche-Valmont. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Nicolas De Angelis. Et il y a aussi François Valéry, Cookie Dingler, Frédéric François, Chantal Goya, Francis Lalanne, Jairo, Georges Brassens et beaucoup, beaucoup d'autres. À vous de choisir 5 enregistrements pour 69 francs. Faudrait être fou pour refuser. Vous pouvez aussi choisir, par exemple, en pop musique, Culture Club. Come, 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 come. Elton John. Kim Wilde. David Harley Couture. Téléphone. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Et aussi les Rolling Stones, John Baez, Alan Parsons Project, In Excess, Bananarama et beaucoup, beaucoup d'autres. À vous de choisir. 5 enregistrements au choix pour 69 francs plus frais d'envoi. Qui va laisser passer ça, hein ? Les amateurs de musique classique n'ont bien sûr pas été oubliés. Avec, par exemple, Chopin. La polonaise militaire par Arthur Rubinstein.
Vivaldi. Les quatre saisons. Le boléro de Ravel. Les trompettes d'Aïda de Verdi. Que vous aimiez les variétés, le pop, le rock, le classique ou le jazz, choisissez vite vos 5 disques ou 5 cassettes pour 69 francs, plus frais d'envoi. Et maintenant, retrouvez-nous vite au verso de ce disque. Nous avons encore de grandes choses à vous annoncer. Jean-Loup Lafont, Françoise Rivière. J'espère que vous avez choisi vos 5 grands disques ou vos 5 cassettes pour 69 francs plus frais d'envoi. Eh bien, que va-t-il se passer? Maintenant, vous êtes adhérent au Club Dial et vous bénéficierez d'autres avantages fantastiques. Vous allez avoir droit, écoutez bien, à d'autres enregistrements à moitié prix. Françoise va tout vous expliquer. Voilà, vous allez recevoir gratuitement 15 fois par an le catalogue du club, le Dialoscope. Il vous présente des tas de nouveautés, dont la sélection du club dans votre genre musical préféré. Si vous désirez recevoir cette sélection du club, vous n'aurez rien à faire. Elle vous parviendra automatiquement. Par contre, si vous préférez un autre enregistrement, ou si vous ne voulez rien, eh bien il vous suffira de nous renvoyer la carte réponse jointe au magazine. Et voici maintenant la grande surprise. Écoutez bien, c'est très important. Pour chaque disque ou cassette que vous aurez acheté au prix catalogue, vous pouvez commander un autre enregistrement de votre choix à 50% du prix catalogue. Donc, un enregistrement sur deux à 50% du prix catalogue. Exactement. C'est fantastique. Lisez vite le bon d'adhésion d'essai et la lettre ci-jointe. Il vous explique tout cela en détail, encore bien mieux que nous. Et maintenant, musique. Retrouvez tous ceux qui sont dans le Dialoscope. Pierre Bachelet. Oh non, c'était les corons. Édith Piaf. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Daniel Guichard. Le gitan que tu ne connais pas. Dire Straits. Sylvie Vartan. Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Ou encore Hugo Frey, Charles Aznavour, Barbara, Barclay James Harvest, Alain Barrière, Bachung, Gilbert Bécaud, Gigi Kale, Carlos, Bernard Lavilliers. Je veux m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Claude François. Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. Donna Summer. Mais aussi Richard Cocciant, Dalida, Def Leppard, Michel Delpech, Charles Dumont, Marianne Faithfull, Léo Ferré, Jean Ferrat, Serge Gainsbourg, Peter Gabriel, Iron Maiden, Jacques Brel. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. U2. Dutheil. Le cœur gris, le cœur gros, comme la musique était légère. Il y a également Richard Gottener, Jacques Higelin, Judas Priest, Georges Jouvin, Kiss, Maxime Le Forestier, Jacques Lantier, Gérard Lenormand, Herbert Léonard, Enrico Macias, Mike Oldfield. Eddie Mitchell. L'amour est vraiment fort. Gagne mes
Roxy Music. Bonne année. Sans oublier Luis Mariano, Yves Montand, Georges Moustaki, Claude Nougaro, Nicolas Perrac, Plastique Bertrand, Orchestral Manœuvre in the Dark, Michel Polnareff, Franck Pourcel, Rainbow, Genesis. Julien Clerc. Elvis Presley. Marc Lavoine. Pour une begin avec toi. Envie d'une begin avec toi. Et bien sûr, Lou Reed, Demis Roussos, Tino Rossi, Michel Sardou, Saxon, Status Quo, Mort Human, Alain Souchon, Tangerine Dream, Village People, Laurent Voulzy, Bob Marley. Nana Mouskouri. Je chante avec toi, liberté. Tous les grands compositeurs classiques sont également présents. Bach, Albinoni, Rossini. Et aussi Tchaïkovski. Gershwin, La Rhapsodie in Blue par Katia et Marielle Labeck. Bien sûr, Mozart. Et naturellement, Beethoven. Pardon à tous ceux qui ne sont pas cités, mais la place nous manque et ils sont nombreux. Au revoir. Au revoir.